Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment installer le mode Extra Biome dans Minecraft. Alors je fais ce petit tutoriel à la demande de un de mes abonnés, il s'appelle Bantali93 je crois. Alors voilà, je vais juste le dire parce que s'il y a d'autres personnes qui veulent faire comme lui et me demander de faire un tutoriel sur quelque chose, une vidéo, pas de problème, vous pouvez me le demander et je vais le faire avec plaisir. Alors, pour installer le mode Extra Biome, vous devez aller sur www.minecraftforum.net. Ou puis je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo. Ensuite, vous devez descendre et cliquer sur la test recommend download. Alors, on clique dessus. Vous attendez en haut à droite que les 5 secondes soient écoulées. Et vous cliquez sur passer l'annonce. Alors là, ça va le télécharger. Ah non, c'est vrai. Avant, vous devez cliquer ici sur download. Et là, ça va le downloader. Moi, ça me dit que ce dossier peut endommager, mais on s'en fout. On fait enregistrer pareil. Et voilà. Ensuite, on va sur minecraftfrance.fr. Je vais aussi mettre au pire le lien dans la description de ma vidéo. Et là, vous devez télécharger un mode qui s'appelle Forage. Non, Forge, désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit Forage. Qui s'appelle Forge. Alors là, on va prendre n'importe quel, c'est souvent un mode qu'on a besoin. Fait que là, je vais prendre n'importe quel mode qui existe. Comme là, j'ai décidé de prendre Poop Mode. Vous descendez en bas et vous checkez si dans les installations de ce mode-là, il y a le Forge. Alors là, on l'installe, Forge. Vous attendez encore les 5 secondes en haut à droite. Passez l'annonce. Et ça va le télécharger. Alors, quand c'est fait, vous prenez les deux dossiers. Vous les mettez sur votre bureau. Moi, je le ferai pas parce que j'ai déjà téléchargé en fait. Et là, vous devez encore aller sur Google. Et vous devez écrire télécharger WinRAR. Puisque pour pouvoir... installer mode, il faut un logiciel qui s'appelle WinRAR. Fait que vous prenez un des sites, n'importe quel. Moi, mettons, je vais prendre le premier. Vous faites télécharger. Là, je le ferai pas. Et ensuite, quand c'est fait, vous pouvez fermer votre Google. Alors là, vous allez où vous avez mis vos dossiers. Vous les prenez. Moi, il est là. Extra Biome. Oups. Ah merde. Extra Biome. Il est comme. Ah, c'est vrai. Bon, attendez, je vais juste aller... Non, c'est pas grave. Bon, vous allez dans votre menu en bas à gauche, comme ça, et vous écrivez %appdata%. Vous faites Enter. Là, en complément, il devrait avoir un dossier qui s'appelle .minecraft, vous double-cliquez dessus. Ensuite, vous allez avoir quelques dossiers. Moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai déjà installé d'autres mods, ça fait que là, j'en ai plein partout. Mais là, vous devez cliquer sur le dossier bin. Vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez encore avoir des dossiers, mais il va avoir un dossier Minecraft. Et c'est lui qu'on a besoin. Alors, vous cliquez dessus, vous faites clic droit et vous faites ouvrir avec WinRAR ce que vous venez de télécharger sur Google. Alors là, vous ça va vous ouvrir un truc comme ça. Là, il va avoir un dossier MetaInf. Alors, important de le supprimer. Vous faites clic droit de le faire. Important de le supprimer parce que si vous le supprimez pas, il n'y a aucun de vos modes qui vont réussir, qui vont marcher. Fait, important de le supprimer. Là, vous ouvrez votre dossier Forge que vous avez téléchargé. Vous devez l'ouvrir avec WinRAR. Fait que il est déjà sur WinRAR. S'il l'est pas, vous faites clic droit, ouvrir avec. Là, moi je l'ai pas. Là. Mais sinon, vous faites clic droit, ouvrir avec, puis vous l'ouvrez avec WinRAR. Alors. Votre dossier Forge, quand vous allez l'ouvrir, ça va encore donner un autre truc comme ça. Alors, vous prenez tous les dossiers qu'il y a dedans et vous les transférez dans le Minecraft qu'on a pris juste ici. Quand c'est fait, vous pouvez fermer les deux fenêtres. Alors, vous reculez ou ben si vous avez fermé sans faire exprès, vous retournez sur %appdata%. Là, vous allez avoir un dossier mode. Si vous ne l'avez pas, vous avez à le faire, à le créer. Vous faites clic droit, nouveau dossier, et vous l'appelez mode.
Alors quand c'est fait, vous double-cliquez dessus. Et là, votre extra biome, c'est ça, que vous allez avoir mis sur votre bureau ou dans un dossier. Moi, je l'ai déjà mis dedans, c'est pour ça que je l'avais pas. Mais alors, admettons que voilà, il est sur le bureau. Quand vous l'avez avoir téléchargé, ça vous donne ça. Alors vous le prenez et vous le mettrez ici, comme ça, dans le mode. Voilà. Alors maintenant, votre mode est installé. Alors on va ouvrir Minecraft. Là par exemple, j'ai un ordi de merde. Fait que ça va peut-être laguer un peu. Je vais juste essayer de vous montrer un peu les nouveaux arbres qu'ils ont puis des trucs comme ça. Alors, single player. Allez, on va trouver. Yes, non. Yes. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé ça. Bon, alors déjà, comme vous voyez, il y a des nouveaux arbres. Des arbres plus grands. Attendez. On va faire plein d'écran. Alors voilà, il y a des arbres plus grands. Et ça, c'est super le fun quand il y a des arbres comme ça avec Timber. J'ai fait un tutoriel pour ce mode-là aussi. Ça fait que quand vous pétez le dernier morceau de ces arbres-là, tout l'arbre au complet se pète. Fait que dans le fond, c'est super simple d'après de se faire du bois. C'est super rapide. Là, comme vous voyez, il y a juste de la pierre ici. Ça doit être un nouveau biome. Là, je vais pas essayer d'en chercher d'autres parce que ça va être un peu trop long. Fait que je vais finir la vidéo comme ça. Moi, vous avez vu qu'il y a déjà des arbres différents puis des nouveaux biomes. Alors voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur votre Facebook ou votre Twitter, ça serait super gentil de votre part. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ce qui sent encore gentil, et vous abonner à ma chaîne pour toutes les futures autres vidéos que je vais faire dans Minecraft ou autre. Allez, salut!